comme tout rêveur, j'ai déjà fait celui de voler. Mais cette idée n'est restée dans un coin de ma tête qu'une envie lointaine, qui me paraissait impossible, une liberté réservée aux oiseaux. Puis à l'été 2018, un an après ma traversée des Alpes et un an avant celle des Pyrénées, hormis mon voyage en Inde, cet été n'avait presque été boulot-dodo à un rythme effréné. Le besoin de casser l'écoulement des jours, se ressemblant et de souffler un peu nous amena avec deux collègues à partir à la frontale après la fin du service pour voir le lever de soleil depuis les crêtes du pic de Borée. Il suffit d'un moment comme celui-ci, de nature et de beauté, pour rappeler à son cœur ses envies de liberté. Quelques heures ainsi suffisent à se remplir de vie et remplacent aussitôt des jours entiers de labeur. Un jour, en discutant avec Anaïs, on a découvert qu'on partageait ce même rêve, de voler un jour. Ni une ni deux, on réservait un baptême à Annecy pour le lendemain. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de sensations, en accro. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce sentiment apaisant, de calme. Que ce soit pour retrouver ce calme, manger du dénivelé et économiser les genoux à la descente, je me vois bien voler pendant longtemps. J'ai eu la chance d'avoir pour mes 25 ans un anniversaire surprise et comme cadeau, une cagnotte pour un stage d'initiation parapente. Le plus beau, c'est que j'ai partagé cette expérience avec l'un de mes meilleurs amis depuis plus de 20 ans, mon futur binôme de vol, Mathieu. Et qui suis-tu? Mathieu Dupont. Tu peux regarder si c'est pour mêler là. Non, c'est bon, tu peux partir. Ah putain. Tu me regardes? Allez, premier décollage.
Après le stage, on a continué à s'entraîner avec Matt et on a refait des vols avec l'école, ce qui nous a emmené à faire nos plus longs vols à Samos. Pour la petite anecdote, voilà ce que j'ai reçu un matin en me réveillant. Putain mec, on est au décollage tendu. Il y en a un qui s'est foutu dans l'arbre. Un gars de l'école. En plus on avait déjà volé avec lui. Oh c'est la merde, ça donne pas envie de décoller d'ici, hein, la vérité. Regarde. Sinon, j'ai acheté mon matos avec deux mots d'ordre en tête. Le moins cher possible, quand on sait qu'une voile neuve coûte 2-3 000 euros. Léger, peu encombrant, pour pouvoir faire du vol rando. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec cette sellette slip. Et un ensemble voile sellette parachute de secours pour 1500 euros, sachant que le secours coûte la moitié. On est à Thonon le 12 août 2022 et Max fait ses premiers tests de voile de parapente. Je peux y aller. Enfin.
Alors Mathieu, premières impressions. C'est court, hein. C'est court le décollage. Ah oui, effectivement. Il y a vite les arbres. Il y a vite le vide. Heureusement, il y a une vue sympathique pour mourir. Ah, on va partir tout en haut. Bah, tu gonfles, mais au lieu de faire un contact et d'avancer, tu fais un contact et tu freines. Ouais, faut partir. Tu veux que je te la rétende? On avait voulu des conditions calmes, mais là, c'est vraiment trop calme. Pas un pet de vent. Avec ce décollage hyper court, ça le fait pas. Puis... après se l'être répété, on s'en voudrait trop d'y aller quand même, et qu'un pépin se produise. Non, c'est frustrant mais c'est formateur. Le parapente, comme toute activité de montagne, est une activité de prise de décision. Il y en aura d'autres, et des plus frustrantes que celle-ci.